Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des Box et je vous retrouve pour présenter la Gretel Box. Donc là, c'est celle du mois de juillet que j'avais reçue. Je vais sûrement recevoir celle du mois d'août très bientôt, donc elle va suivre. Pour celle du mois de juillet, vous avez toujours la box classique avec le carton où vous recevez donc vos snacks. C'est vraiment une box que j'aime beaucoup parce que les snacks sont de plus en plus originaux et d'ailleurs il y a des nouveautés, donc c'est top. Et il y avait en plus dans cette box une petite boisson pour le thé, donc je l'avais pris pour partir en vacances. Je vous remettrai la marque du thé en barre d'infos, mais c'est vraiment du thé très agréable, donc c'est toujours sympa parce qu'on a un petit gadget en plus à chaque fois pour chaque mois. Donc là il y avait une petite boisson. Ensuite on passe aux snacks que j'ai choisis, qui sont tous plus bons que les uns que les autres. Vraiment ce mois-ci j'ai eu un gros coup de cœur. On va commencer par le premier snack qui est déjà bien avancé, comme vous allez voir c'est absolument délicieux. Donc c'est un snack salé qui est un mix apéritif romarin et miel. Dedans c'est un mélange plein de fibres avec des touches de romarin qui sont censées améliorer votre mémoire et votre concentration. Donc idéal pendant les révisions. Il y a des cacahuètes, des noix de cajou, des noix de macadamia, des noix de pécan, du miel et du romarin. Et alors c'est ça qui change tout, c'est absolument délicieux. Que je vous sorte c'est en fait des petites noix comme ça. Mais ça c'est super bon, ça je pense que je vais le reprendre dans quelques mois. Vous avez des petites noix entourées de miel et de romarin. Ce qui fait que c'est délicieux. On sent vraiment bien le côté sucré du miel. Avec évidemment la noisette et tout en dessous. Et je savais pas à quel point le romarin se mariait bien avec le miel. Parce que le côté romarin vient de donner un côté un peu plus épicé. Qui est hyper agréable. Vraiment, ça, je vous le dis comme je pense. Ça a beau être un mix salé, ça reste un peu sucré. Et c'est mon coup de cœur chez la Gretel Box. Je vous le recommande vraiment 1000 fois. Donc là vous voyez plus trop bien parce que je l'ai bien fini. Mais vraiment c'est délicieux et je vous le recommande vraiment. On continue dans ces idées de noix, d'amandes, de fruits secs qui sont entourées après de choses. Donc là c'est des amandes aux graines de sésame. Et là aussi c'est super bon. Donc si vous aimez l'amande, voilà, vous serez forcément pas déçus. Mais en plus le fait qu'il y a des graines de sésame autour fait que c'est très agréable au goût. Ça a là encore un côté un petit peu plus salé sucré qui est très agréable. Donc on a juste de l'amande, du sucre, du sésame et des agents d'enrobage comme de la gomme arabique et des traces possibles d'arachide forcément comme les amandes. Au niveau de la quantité, là on a 20 grammes et là c'était une quantité de 100 grammes. Donc c'est une plus petite quantité mais je trouve qu'on s'y retrouve complètement au niveau de la quantité quand on mange. Finalement ça reste très raisonnable. Donc vous voyez bien la petite amande entourée de graines de sésame. Et ça c'est pareil. Ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai présenté avant. On a vraiment un côté un peu sucré salé qui est juste un délice, c'est vraiment hyper agréable. C'est deux snacks qui sont très très bons, je vous les recommande à 1000% si vous aimez le côté un peu sucré. On continue avec deux mélanges qui se ressemblent un petit peu. Donc tout d'abord le mélange douceur qui est là encore quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je vous le dis, c'est ma box coup de cœur. Hein. Tous les snacks m'ont énormément plu donc vraiment j'ai rien à dire de mal. Au niveau du mélange en fait vous avez un mélange de cranberries, de graines de courge et des pétales de maïs qui sont enrobés de chocolat blanc aromatisé. Et alors ça c'est juste hyper bon. Donc pour l'instant c'est pas du tout des produits qui sont bio. J'en ai un à vous présenter dedans mais c'est pas bio mais par contre c'est fait à Paris donc on sait à peu près les ingrédients etc. Tout est écrit derrière, les valeurs énergétiques donc ça reste des ingrédients très bons même si ce n'est pas bio. Et alors ça c'est excellent. Ça c'est le soir si vous voulez un petit côté sucré à la place du morceau de chocolat, vous prenez ça. Que je vous montre. Donc on a vraiment bien ces petites pétales de maïs entourées de chocolat blanc. Les cranberries et puis les graines de courge et étonnamment les trois ensemble se marient extrêmement bien. Ça a vraiment le goût sucré du chocolat blanc qui est hyper agréable. Le côté fruits rouges et cranberries fait que ça donne un côté un peu plus acide. Et la courge vient juste donner un petit peu d'épaisseur en bouche finalement. Ça n'a pas un goût très fort mais c'est très agréable. Et ça apporte forcément des valeurs énergétiques en plus le fait d'avoir des graines de courge. Ça aussi excellent. Pour l'instant j'ai rien à dire de mal. Le quatrième mélange est un mélange tonus qui donc ressemble au premier parce que dedans on a donc des mélanges de fruits secs, de haricots grillés et de fruits séchés. On a des amandes, des cranberries là encore, du soja grillé, des fèves immatures de soja grillé et du soja noir grillé avec un peu de sel. Donc là on a un format de 100 grammes donc un petit peu plus grand. Et au niveau de l'esthétique ça ressemble beaucoup au premier surtout parce qu'évidemment il y a des cranberries. Mais par contre c'est un petit peu moins sucré parce qu'on n'a pas le chocolat blanc. Donc ça c'est vraiment les choses idéales à mettre au travail qui sont pas du tout trop sucrées. Donc ça permet juste de grignoter sans avoir un côté trop fort en sucre. Et ce qui est très étonnant c'est les graines de courge. C'est pas du tout habituel. Donc il y a différentes couleurs, des noirs, des verts, des beiges. Et ça n'a pas un goût très prononcé. Mais c'est ça permet encore de donner de la consistance et de faire un contraste entre ce côté acide de la cranberries et les graines de courge qui est assez original. Vraiment je trouve ça hyper joli. C'est des snacks qui sont en plus beaux à voir et c'est quand même très agréable, ça donne encore plus envie de grignoter.
tout en sachant que c'est des snacks relativement sains, donc c'est quand même pas mal. Et le dernier que j'ai pas encore vraiment utilisé, qui est là en fait du porridge avec du raisin, de la figue et du pruneau bio. Donc ça c'est génial pour la digestion des pruneaux, hein, voilà. Je vais passer les détails un peu spéciaux, mais c'est très bon pour, en plus c'est sportif, et là c'est certifié agriculture biologique. Et ce qui est top, c'est que c'est le genre de produit que vous pouvez mettre le matin dans votre lait ou dans un yaourt. Et ça c'est aussi très très bien, ils font pas que des encas à grignoter à la main, il faut aussi des encas à mélanger avec finalement ces aliments du petit-déj ou autre, et je trouve ça très bien. Ça je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte, et le porridge c'est toujours hyper sympa, ça plaît à beaucoup de monde. Donc voilà pour la Gretel Box du mois de juillet, je vous retrouverai très certainement pour celle du mois d'août. De toute façon cette box vous la faites comme vous voulez, c'est-à-dire que chaque mois je vous présente des snacks différents. Mais vraiment quand vous la commandez, c'est vous qui choisissez vos snacks, donc vous êtes jamais déçus. Et vraiment là j'ai eu un gros coup de cœur pour leur petit mélange, je vous les recommande 1000 fois. Ils ont plein de nouveautés qui sont hyper appétissantes. Donc voilà, j'espère que cette box vous a plu autant qu'à moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao !